Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce CPT en Thai Time volume 1. On va parler de Bitcoin, on va parler de crypto bien évidemment, mais pour commencer on va parler de Thaïlande. Donc moi je suis parti il y a 2 jours, je suis arrivé hier en fin d'après-midi en Thaïlande, et c'est l'occasion, on a parlé de billets d'avion, c'est important pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, on a parlé des billets d'avion, on a parlé du fait qu'il fallait réserver vraiment largement en avance, parce que vous allez voir, je parlerai aussi de nourriture et tout ça. Pour vous donner un exemple, on a mangé ce midi, on a mangé pour grosso modo le plat, un plat en Thaïlande ça coûte 150 bahts. Voilà, donc ça coûte 2, 3, 4 euros, ça dépend. Et là, c'était dans un restaurant, dans un hôtel. Koh Samui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des îles les plus connues. Pour venir à Koh Samui, comme je vous l'ai expliqué, il faut arriver à Bangkok, il faut prendre le Bangkok Airways pour arriver à Koh Samui. C'est assez cher le billet d'avion, ça veut dire que c'est un peu plus de 200 euros l'aller-retour. Et pareil, mieux vaut le réserver en avance. Après, il y a une zone très très connue qui s'appelle Chaweng. C'est la grosse zone touristique de Koh Samui. Moi, par exemple, c'est pas trop là où je vais. Là, c'est Chaweng, c'est hyper touristique. Vous savez, il y a ambiance un peu comme dans le sud de la musique, grande plage et autres. Vous avez un deuxième niveau qui est connu ici qui s'appelle Lamai. C'est une plage aussi très connue avec un marché. Vous avez aussi des endroits intéressants dans le nord. Vous avez voilà des marchés, des choses comme ça. Mais grosso modo, tout se passe grosso modo à Chaweng, ça se passe pas mal à Lamai. Moi, ce que j'aime bien, c'est être entre les deux, ça veut dire que où j'habite, je vais vous montrer, c'est vraiment très très calme, c'est perdu, et c'est ce que je recherche, surtout venant de France, venant de Paris. Pour tout de suite déconnecter, je vais vous montrer tout simplement l'hôtel que j'ai pris, ça peut vous intéresser, parce qu'il est pas cher du tout, je trouve, c'est le Ban In Sai Resort & Spa. Là, vous voyez la photo, et je vais vous montrer en réel la vue. Moi, je suis là, je suis actuellement dans cette chambre, je vais vous montrer ma vue juste après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un hôtel vraiment sympathique, surtout pour les familles, je trouve que c'est vraiment bien. Et voilà, après, si vous êtes un groupe de jeunes et autres, c'est pas le bon endroit, parce qu'il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a rien du tout, dans le coin, il n'y a pas du tout de truc. Mais moi, je suis là, voilà, au calme, pour me reposer, plutôt familial, et voilà, tout simplement. Donc là, ce matin, je me suis réveillé, il y a une grande baie vitrée sur ma chambre, je donne directement sur la plage, j'ai vu sur la mer de mon lit, donc ça, c'est très appréciable. J'ai mon petit bureau, mon petit jacuzzi ici, je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester ce soir. Mais vous voyez, très très reposant, complètement dans la nature, aucun bruit, d'un calme, aucun vis-à-vis aussi, c'est important. Et voilà, très très calme, vue sur la mer, vraiment très très bel hôtel. Pareil, je suis pas sponsorisé par eux, mais voilà, je partage ce genre de trucs. Alors au niveau des marchés financiers, j'ai fait le bilan tout à l'heure, j'ai regardé, hier il y a eu un bel effondrement, mais je vous ai dit, le marché il est survendu, il trouvera à un moment donné une raison quelconque pour baisser, il va baisser, je ne suis pas confiant en bourse, j'ai vendu pratiquement tout, j'ai gardé, on va dire, des dossiers en béton armé en bourse, mais j'ai tout vendu tout simplement, et je pense que j'ai très très bien fait. Hier, la bourse, justement, je suis parti en vacances, plus de moins 3% hier pour le CAC, le Nasdaq s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la raison principale, c'est que le marché est trop optimiste. Le marché financier, même maintenant, même s'il a baissé, il a été déçu, vous allez voir, il estime que la Fed va augmenter ses taux en juillet, ça c'est sûr, quasi à 100%, mais il pense que potentiellement, en fin d'année, la Fed va baisser ses taux. Alors que la Fed, le dernier discours de Jérôme Powell, a mis un grand froid sur les marchés. Il a expliqué que ce serait peut-être la prochaine encore une hausse et celle d'après encore une hausse. Et même il a parlé de plusieurs hausses avant la fin de l'année. Donc pour l'instant il y a un déphasage entre les espoirs des marchés et la réalité de ce qu'est en train de nous expliquer Jérôme Powell. Donc le marché a un peu trinqué, clairement trinqué, et les cryptos bien évidemment ont suivi. L'information importante qui va vous sortir, donc moi de mon côté, on n'a que 5 heures de décalage avec la France, ça veut dire que quand il est 10 heures chez vous, moi il est 17 heures. Le taux de chômage, il va sortir, il va être important comme statistique. Taux de chômage à 14h30, heure française. Le marché va réagir à ça, mais le marché est déjà très très bousculé en ce moment. Donc, why is Bitcoin price down today? Je vous ai donné la raison principale. C'est essentiellement la Fed. Le reste, c'est ce que j'appelle du bruit. Ça veut dire des informations qui n'ont pas vraiment d'impact sur le marché, qui font juste du bruit. Bien évidemment, tout ce qui est lié aux régulateurs, à la pression des régulateurs. Mais la vérité, c'est la Fed, tout simplement. Honnêtement, faut pas chercher après des éléments graphiques. Alors là, c'est intéressant. Je suis allé sur Siam Blockchain. Donc c'est une revue blockchain. Siam, le royaume de Siam, c'est la Thaïlande. Et donc je suis allé sur la presse thaïlandaise, voilà, pour faire un peu local. Mais vous avez dû en entendre parler, c'est, comment ça s'appelle, le patron de BlackRock qui après se fait une petite déclaration d'amour au Bitcoin, il a dit que c'était un actif intéressant et ainsi de suite. Incroyable, Larry Fink, le patron de BlackRock qui devient commercial en chef du Bitcoin. Ouais, donc ça c'est hyper intéressant. Quand lui commence à dire ça, je peux vous garantir que le monde entier de la finance comment ça se dit à acheter un peu de Bitcoin, je pense, tout simplement. Donc le marché est pas bien, mais en lame de fond, il y a ça quand même.
Ensuite, des nouvelles encore négatives. Vraiment, ça s'arrête pas sur CEO, sur Binance. C'est que grosso modo, tout son top management est en train de poser leur démission. Peut-être qu'il y aura des opportunités, peut-être je vais postuler, parce que tous les gros, ces gros boss sont en train de sortir. Ils ont pris peur, je sais pas quoi, le patron de la... Voilà, donc il y a pas mal de big boss qui sont en train de partir. Il essaye de rassurer, il explique que ça fait partie de la vie des entreprises. Après, effectivement, dans la vie des entreprises, il y a toujours du turnover. Maintenant, quand vous avez d'un coup 3, 4, 5 cadres dirigeants de Binance qui posent leur dème, ça peut faire peur encore. Ensuite, Apcoin vient de toucher un plus bas historique. Plus bas historique tout simplement à 1,70. C'est lié à quoi? C'est qu'en fait même la collection Apcoin qui est la meilleure au monde, le Born App Yacht Club, eh ben n'arrête pas de s'effondrer. Les prix n'arrêtent pas de s'effondrer. Moi personnellement j'achèterai jamais de JPEG, je vous l'ai déjà dit. Maintenant c'est populaire, moi j'ai de l'Apcoin, peut-être ce soit une opportunité à chacun de voir sur Apcoin. Et on voit qu'au niveau des marchés, bah Red Red Wine, comme disait ce groupe anglais. Donc au niveau des volumes, par contre, on a plutôt des beaux volumes hein. Pour un mois de juillet, 19,33 milliards, c'est plutôt bien. Ethereum, c'est plutôt pas mal. Et voilà, une map très très rouge. Le Bitcoin, un petit -3,3 sur la semaine, bah, ça a complètement plié. Ethereum, -4. Et après, il y a des gros cartons. On va aller voir quelques dossiers intéressants, il me semble. Donc en weekly, ce qu'on voit, j'en avais parlé, il y a peut-être un double top. Mais on va aller voir plus en détail en quotidien. Après, je dirais surtout la moyenne mobile 100 maintenant qui fait office de résistance. Moi, c'est ce que je regarde. Et je regarde la moyenne mobile 50. Voilà. Pour moi, on a un range dynamique qui va se mettre en place dans les prochains mois. Et ce qui va être intéressant maintenant, ça va être le test de la moyenne mobile 100 semaine autour des 32 000. Donc, double top, je sais pas. Donc là, il y a des gens ici qui vont dire, ça y est, le marché, il va passer biriche. Moi, pour moi, le seuil pivot, il est là. Parce que j'ai lu des trucs, des articles, ça y est, il y a un double top. Potentiellement, les cibles, j'ai même entendu des 24 000, des 22 000. Faut arrêter les bêtises, des fois. Effectivement, on a peut-être un double top, hein, il est assez clair. Il n'est pas précis, parce que là, c'est un top. Là, on a eu un espèce de double top local. Si je me mettais en 4 heures, je le verrais, il y a un double top local. Le plus important, c'est en daily. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus long terme. On a effectivement peut-être un double top. Moi, je vous le dis, le niveau, c'est ici, autour des 28 008. Vous le savez, c'est la zone de pivot. Pas de la Fed, mais entre marché baissier et marché haussier. On a tenu plein de fois ici. Ce niveau, il est fondamental. Ici, on a tenu. Là, on a craqué. On a mis du temps, vous en souvenez, de ta séance. Hein, vous la connaissez par cœur, cette histoire. Et grosso modo, voilà, on l'a explosé. Effectivement, si on passe sous ce niveau-là, c'est pas très cool. Mais après, tout simplement, quand on regarde en quotidien... Moi, je suis en mode no stress parce qu'on a le support de 28 007, la résistance 50 jours, 28 100, la résistance 100 jours, 28 000, voilà, juste un peu en dessous. Et le plus important pour moi sur du très long terme, c'est la moyenne mobile 200, regardez. Moi, celle-là, elle me fait plaisir parce qu'elle est vraiment long terme et elle donne la tendance plutôt moyen long terme et elle est tranquille, elle monte, elle arrive pratiquement à 25 002. Donc, très très bonne tendance. Je vais surveiller ces prochains jours ce niveau-là. Tant qu'il ne vient pas sur ce niveau-là, honnêtement, zéro stress, ça ne sert à rien de se faire des films et autres. Zéro, zéro stress. Je dirais même plutôt qu'ici, on est en train de faire un bull flag, voilà, si j'étais ambitieux dans ma communication, mais j'ai pas envie de le dire. On verra si ce support-là, il tient. Il faut que ce support-là tienne et qu'il reparte un peu vers le haut. Et là, on sera en train de déterminer un bull flag, et dans les prochains jours, prochaines semaines, j'espère qu'on ira chercher plus haut. Mais en tous les cas, pour moi, on n'est pas du tout en crise, c'est une digestion toute simple, et on voit que même il est en train de rebondir un peu là. Mais hier, ça a été violent. Et on l'a vu sur les marchés financiers, -3, -4, ça vient de voilà du sentiment de la Fed qui est pas très positif, parce que la Fed, si elle continue, ça veut dire que le point pivot, peut-être, il va avoir lieu au premier semestre 2024. C'est la grosse crainte maintenant depuis hier, que j'ai lu en tout cas dans la presse. Quelques dossiers rapidement, il y a BNB pour moi qui est intéressant. Bien évidemment, ils se font défoncer. Là, il y a eu un double bottom que j'ai acheté ici. On verra si ça revient dans cette zone. Je pense que sous les 220, on en reparlera, mais ça sera intéressant. Moi, je pense que là, c'est un massacre à la tronçonneuse sur BNB. À un moment donné, le vent tournera. Peut-être qu'il faut être patient, parce qu'on ne sait jamais en ce moment. Moi, j'ai pris quand même une grosse position. J'ai pris une dizaine de tokens là. Pour en reprendre, je vais attendre un peu. Voilà, à titre perso. Cosmos, c'est pas mal. On a vu notre double bottom ici, un W. Ce qui est bien, c'est que regardez, des plus hauts de plus en plus haut. Tout simplement, c'est pas grand-chose. Regardez le plus haut ici, plus haut ici, plus haut ici. Ce qui me plaît, c'est plus bas ici. Plus bas ici, plus bas ici, tout simplement. Donc on est en train de définir une pattern ultra sympathique sur Atom Cosmos. Il est en train de confirmer, le marché est laborieux, mais il tient quand même. C'est plutôt notable. Ensuite Matic, exactement pareil. Hein. Moi j'avais acheté ici le double bottom. Là ce qui est plaisant, c'est plus bas, plus bas,
plus bas, plus haut, plus haut, plus haut. Ok, Atom et Matic, c'est top. Parce que le marché est compliqué, arriver à faire ce genre de pattern, Polygon et Atom, voilà, deux bons dossiers. App, on en a parlé, c'est une catastrophe. Je vais mettre en weekly parce que je pense que c'est vraiment son plus bas historique. Ouais, après, il y a eu le jour de l'ICO, ça valait peut-être moins, mais la première journée de cotation, elle sert à rien, regardez. Premier jour de la cotation, ça a coté entre 0,66 et 40. Donc là, il y a des gens, ils ont fait x80 ici. Il y a des gens, ils ont fait moins 98% aussi. Donc voilà pour Appcoin. Et je voulais finir par cet OVNI, parce que j'en parle très peu, mais c'est l'un des dossiers, c'est une très très grosse ligne dans mes portefeuilles. C'est le token que j'ai acheté après... Après Bitcoin et Ethereum, c'est TRX, et pour moi, c'est voilà, c'est un peu comme Air Liquide pour ceux qui connaissent en bourse. Ça livre des super dividendes, ça fait jamais des 400%, quoique des fois ça fait des super perfs, mais regardez ce que ça fait sur un an. Honnêtement, ça donne une leçon, et je pense surtout aux haters de TRX, parce que tous les jours, tous les mois, tous les ans, ils donnent une leçon de ce que c'est qu'un bon investissement financier. J'adore ce token-là. Voilà, Made in China, super projet. Moi je suis, on va y venir, on va aller voir. Je voulais regarder juste pour finir en weekly parce que c'est incroyable. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, ça fait très longtemps que j'en ai. Mais regardez, moi j'en ai acheté en 2020, que demande le peuple. Et mon nombre de lignes avec le stacking, grosso modo, il a fait plus 70%. Donc déjà je fais plus 70% parce que j'ai stacké non-stop. Et en plus, la performance, elle est juste incroyable. Je n'ai jamais vendu du TRX, alors que j'ai déjà vendu du Bitcoin et de l'Ethereum. Tout simplement, je voulais finir par cette très très belle valeur qui donne des leçons en termes de placement crypto et autres. Vraiment magnifique, exceptionnel. Et ce sera tout pour moi. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent. Bon courage à ceux qui ne partent pas en vacances et qui travaillent. Je vous dis à très bientôt. Ciao tutti.